penses encore à lui? Non. Regarde-moi dans les yeux. Tu penses encore à lui? Et tu... Mais... Ah, tu sens la copa, t'as dormi avec son t-shirt? Tu sais quoi? S'il te manque tant, hein, tu vas le retrouver. Moi, je te laisse, je me barre. Non! Ne me touche pas! Ne me blesse pas! Mais enfin! Tu vas pas me laisser avec les enfants! Tout ce qui s'est passé insolite, c'est dans 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 23 janvier 2012. Et le saviez-vous, Michael Vendetta, la personnalité la plus inutile depuis 3 ans d'après moi-même, va bientôt se lancer en politique. Alors ça, normalement, vous le savez déjà, puisque la moitié de la planète Terre en a parlé. Mais en plus, cette fois-ci, d'avoir un ego surdimensionné. Bon, déjà, 2012, je tenais à rassurer les Français, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est juste commercial, c'est pour vendre des films et des bouquins. De toute façon, tant que je suis en vie, c'est que c'est pas la fin du monde. Bah bien sûr, mon con Michael vient en plus de déclarer que, je cite, « Si François Hollande est élu, je vais vivre à Los Angeles ». Alors, vous le savez dans le Rewind, pas de politique, hein, là-dessus je m'y tiens, pas d'avis politique. Mais pour François Hollande, je pense que peut-être il devrait revoir sa com s'il veut être sûr de gagner en 2012. Hein. Si vous votez pour moi, Michael Vendetta, pas de France. Vous, François, vous Et pour commencer ce Rewind, le truc qui donne envie du jour, c'est marqué ici, c'est la marque britannique Cadbury qui nous l'offre. Alors Cadbury, eux, pour fêter leur 1 million de fans sur Facebook, ils ont décidé de la jouer gros. En se faisant un petit plaisir et en fabriquant en chocolat un énorme pouce en l'air comme le like Facebook. Résultat, près de 3 tonnes de chocolat utilisées, surtout quelques heures de travail. Hein. Mais le résultat ressemble à tout sauf un pouce en l'air, qu'on soit d'accord. Hein, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît, vous et moi, on va pas se mentir. Ça ressemble pas à 1 pouce, on sait très bien à quoi ça ressemble. Hein? Oui, on pense à la même chose, messieurs, dames, après un repas mexicain. Ça ressemble à ça, exactement. Hein, alors Cadbury, excusez-moi le mec de vous dire pardon. Hein, pour 1 million de fans, quand même, vous auriez pu faire un truc un petit peu mieux. Moi, par exemple, si la page Facebook du Rewind atteint 500 000 fans, non, allez, 60 000 fans, disons, je sais pas, je pourrais... Je paye une pizza au 60 millième fan, voilà. Pas aux 60 000 fans, juste aux 60 millième. C'est nul, je sais. Et l'image du jour, ça se passe en Slovaquie, c'est lors d'un concert où le violoniste Lukak Mit, oh putain, c'est chelou comme nom ça, a été interrompu par un téléphone portable. Alors lui, plutôt que de se la jouer genre « Ouais, je suis une star », il a décidé de faire ceci. Comment il se la pète? Mais c'est dingue! Non mais attends, nous aussi, on peut se la péter. Au Rewind, on a notre incroyable talent à nous. Ah, mi. Alors le Slovaque, on dit rien là, hein? Et pour ce qui était dans ce Rewind, le coup de chance du jour, c'est un Américain qui l'a vécu, je vous présente, Dante Otolo. Alors, hormis le fait qu'il ait une tête extrêmement chelou sur cette photo, cet homme est passé extrêmement près de la mort. Tout commence alors que l'homme bricole tranquillement dans sa maison de l'Illinois, hein, pépère posé un week-end. Il manipule alors un pistolet à clous, sauf eh bien que ce dernier a un petit problème, puisqu'il se déclenche tout seul, malencontreusement. Là, l'homme se dit que de toute façon, ça passe, il n'y a pas de souci, hein. Le clou est passé à côté de lui, nos problèmes, on recommence ce qu'on est en train de faire. Mais 36 heures plus tard, l'homme commence à se plaindre de quelques douleurs au crâne, hein. C'est bizarre. Donc il se dit qu'il va peut-être aller aux urgences. Et bien le résultat, c'est celui-ci, tada! Et oui, magnifique, un clou dans le cerveau, hein, juste dans cette partie-là, ce qui peut peut-être expliquer les douleurs au crâne. Heureusement pour lui, il a foncé aux urgences, il a été à l'hôpital, il a eu une opération difficile, mais qui s'est très très bien déroulée, hein. Il va beaucoup mieux. En même temps, il aurait jamais pu vivre avec ça dans le cerveau toute sa vie. Tut. Alors ne crois pas ça. Moi-même, tel que tu me vois là, je vis depuis une bonne dizaine d'années avec un clou de 18 planté en plein cervelet. Non. Un accident d'Ikea. Mais c'est... Enfin, t'as pas eu de séquelles Alors, crois-moi ou pas, je n'ai jamais ressenti la moindre... séquelle. Alors, pourtant, maintenant que tu me le dis, ça se voit un petit peu quand même. Ah non, non, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est dans ta... Chat, dans ta tête.
Je suis pas persuadé que ça soit que dans ma tête. Je peux pas te... Le Halloween d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter, imaginons que vous ayez par exemple une catapulte sous la main et des melons. Eh bien, pourquoi pas se faire une catapulte avec des melons ? Mauvaise idée. Bim ! Bra ! Bra ! Melon, pastèque, paf ! Dans sa gueule. Bonne soirée à tous et à demain. C'est dingue parce qu'un melon, c'est quand même bien... Ça a bien explosé sa face. Hein.